Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 37 de notre aventure sur Horizon Forbidden West, de notre incroyable aventure exotique sur Horizon Forbidden West. Et je devais m'occuper de cette grosse bête qui craint énormément le feu et l'électricité. Donc, vous savez ce qu'on va faire. On va rien faire. On va rien faire parce que là, c'est la merde. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Très bien ça, bien joué de ta part. Très bien, bien joué de ta part, bien joué de ta part. Cassez-moi la gueule, hein. Allez-y tous. Ok, salut toi. Très bien. Allez, c'est parti, c'est à moi de régaler maintenant, d'accord? Voilà, ça vous a plu? Moi ça m'a plu. Ça t'a plu ça? Moi ça m'a plu. Ok, bon. J'essaye de focus. Bien wesh. Wouah wouah wouah, youpi yo, youpi yeah. Ok. Bien joué, bien wesh, bien wesh, bien wesh, on apprécie. On nous régale. Chaque putain de seconde, tu nous régales. Mort. Non, j'ai dit mort. Merci. Très bien. Ok. Toi, c'est une histoire de secondes. Ok. Bien joué, bien joué, bien joué. T'as été chaud. T'as été chaud, mais est-ce que tu connais le coup du casino royal, du Ken Flush? Wouh! Voilà, tu connais ça? Œil pour œil, dent pour dent, mon pote. Œil pour œil, dent pour dent. Chut. Mort. T'es mort dans le film, mon gars. Et dans le jeu vidéo aussi. Allez. Ça régale. Ça régale. Ok, parfait. Bah voilà. Bon, je m'attendais à... Je vais pas mytho. Je m'attendais à beaucoup, beaucoup plus pire, ce qui n'est pas français. Œil métal. À quoi ça sert les œils métal comme ça, là? J'en ai aucune fichue idée. Il y a bien un moment dans ma vie, ça me sera utile de ouf. Ok. Bon, on a démonté tout le monde, ça fait plaisir. Il y a des nouvelles, je vous le dis, qui donnent le smile. Ok. Ça, ma petite bichette. Très bien. Ça, ma petite bichette, je prends. On va aller monter. Ah, mais le coup du Ken Flush, je l'avais fait déjà à Las Vegas. C'est juste qu'il n'était pas là. Il s'en souvient pas. Il n'était pas vivant à ce moment-là. Je parle de la machine. Hop, 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 hop. Doucement. Oh là, peu cher, bonne mère. Là, on va écouter ça, évidemment. Non, on va le lire, alors. Je vous laisse lire. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Je vous laisse lire. Et c'est parti. Bon, très bien. Attends, il reste une grosse machine? Non. D'accord. Poséidon se trouve là-dedans. Mais où est passée cette machine? Ah! C'était pas la grosse! Aloy! C'est un miracle! C'est grâce à toi si le niveau de l'eau a baissé. Oui, mais on a un autre problème. Cette chose est sur notre chemin. Ouais, on ne pourra pas récupérer les braises tant qu'elle est là. Tandis que les vaillants
grands aventuriers contemplaient la bête. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Quoi? Mais t'es malade! Tu calmes! Elle nous a sauvé la mise. D'accord. Restez là. Et tirez dès que je passe à l'attaque. Ah, on est mort. Ah, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Ça va être un combat de longue haleine. Là, non, je dois être teubé. Pack de deux pièges à câble électrique. Qu'elle aime pas la classe. Oh la vache. Hop. Tiens, t'aimes l'électricité. Hop, je te régale. C'est Bibi qui régale. Allez. C'est moi qui paye, c'est Dieu qui donne. Comme on dit dans le milieu. Ah. Allez, viens. Viens. C'est embêtant ce qui vient de se passer. D'accord. Ok. Très embêtant ce qui se passe. Merde. C'est une baleine. Oh putain, mais c'est pas vrai. Oh la vache. Ok, que je comprenne ce que c'est là. Ok, très bien. Très bien. Très bien, il faut que j'arrive à comprendre. Hein. Très fort, très très fort. Très très fort. Oh, c'est pas vrai. Ça ne la met pas de glace là en fait. C'est moi que ça met de glace là, non? La vache. Pas. Je ne comprends pas, je dois être teubé. Je dois être une putain de teub. Très bien.
vrai, ça va, je pense avoir compris. Très bien, ça c'est chiant, ça, des petits coups comme ça. Mort. Ok, 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 j'ai compris le jeu, j'ai compris le jeu. Tu as réussi. Trouver Poséidon et après parler, ok. Bon, on a réussi, mais c'était pas... C'était pas facile, hein. On va en avoir bientôt besoin. Vache. Ok, en vrai, ça a carry quand même. Au tout début, non? Enfin, je crois. J'ose croire. Ok, je reprends. Très bien. Parfait. Eh ben, écoutez, on a Poséidon. Incroyable, cet épisode 36. Deux intelligences artificielles retrouvées. Je pense qu'il y a un épisode entièrement consacré à Gaïa et un blabla qui risque d'être incroyable, où on va encore apprendre de belles choses, à mon humble avis. C'est beau, hein. Putain. Peu cher aux bonnes mères, hein, comme on dit nulle part. Poséidon devrait se trouver derrière cette porte. Je vais le ramener à la maison. En vrai, les potes, il y a quoi là-dedans. Ok, c'était juste sa petite tanière. Très bien. Allez, on va récupérer Poséidon. Poséidon, où es-tu, bibiche? Ok. Personne. Toujours personne. Parfait. Oh. Poséidon doit se cacher dans une sorte de processeur. Il faut que je trouve une console pour y accéder. Je peux pas. Je peux pas abandonner cet endroit. Je devrais pouvoir. Je laisse tout en suspens. Le système est capable de fonctionner pendant des décennies, voire des siècles. C'est utopique. Mais peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera à nouveau cet endroit. Il s'émerveillera de ses lumières. Il découvrira la fortune et des possibilités illimitées. Il en fera son propre rêve. Après tout, si cette ville peut me donner une deuxième chance, si l'eau peut arroser à nouveau un désert, alors tout est possible. Il avait raison. Allez, je vous laisse lire, évidemment. N'hésitez pas à mettre pause. Hop, c'est parti. Je suis là pour te ramener chez toi, Poséidon. Auprès de Gaïa. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction subordonnée Poséidon dans le code d'origine. Voilà. Eh ben voilà. Je vais rapporter ça à Gaïa. Allez. Bon, bah écoutez, on a une nouvelle intelligence artificielle. On va aller voir les trois Gugus en haut. Redémarrage du système initié. Ok. On dirait que la prise de Poséidon a relancé le système d'alimentation de la ville. Ça peut être beau. Morlund et son équipe ont dû retourner à la surface. Avec toutes les braises qu'ils peuvent transporter, je parie. Ah ouais. Ah ouais. Waouh. Alors, écoutez, je vous laisse admirer en 4K 60 FPS, mais on est obligé de faire un panorama là-dessus. Parce que attention, comme c'est stylé. Waouh. Bon, allez, on est parti. Je pense que la sortie est là. Parfait. Mermaid. Incroyable. Ce jeu, les amis, est magnifique. On l'a fait inonder, on l'a fait en dehors. Même inondé, c'était beau, bordel, hein. Même inondé, c'était fucking beau. Très bien. Oh, waouh.
Ok. Ok, 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 c'est magnifique. Bien joué, les gars. Bien wesh, bien wesh, bien wesh, bien wesh. Je suis sûr que ce casino doit sûrement exister, d'ailleurs. Un casino très asiatique. Pour ne pas dire chinois, d'ailleurs. Je pense que ce type de casino... Bon, ce type de casino, c'est sûr, existe, mais celui-ci, il y a peut-être moyen qu'il soit inspiré d'un réel casino. En tout cas, ça a de la gueule. Hein. Waouh. Par où on monte les bibiches? Moi je sais plus, je suis perdu hein. Ok, objectif là-haut. Très bien, on va passer par là. Je prends des petits raccourcis, je me permets. Lumière verte, ok. Une issue là-haut. Attends, c'est trop là-haut les gars. Ok, j'ai... GGG. On a fait un petit tour gratuit. Ok. Je vous laisse lire. Mettez pause, évidemment. Mettez pause, évidemment. Ah, mais on l'a lu. On l'a lu, celui-ci. Sauf que c'était inondé. Bah ouais, on reconnaît plus, frère. Ça a commencé juste ici, ben il y a oui. plus de 30 ans. Dans ce casino s'appelait encore le Tempo. Un ascenseur. Marlou n'a dû pas faire avant que l'endroit soit inondé. Mais voilà que le destin bien de ne pas avoir à tout escalader. La pire main possible à chacun d'entre nous. Il faut que j'éteigne les lumières une dernière fois. Un ascenseur qui marche vraiment? Et les ondes de ma maison d'adoption vont enfin se taire. Enfin. Un ascenseur. Si un rêve doit mourir, voilà. On a dû le construire avant que l'endroit ne soit inondé. Genre ça marche là. Nickel. Bien, on va avoir à tout escalader. Nickel, nickel. Incroyable, magnifique. Hein. On est où sur la carte, les gars, là? Oh merde, je sais pas encore. Magnifique. Magnifique. Et dire qu'on pourra sûrement y retourner bah quand on veut après, c'est incroyable. Vraiment. Bien joué. On a pris plein la gueule et ça, c'est beau. Oh, dehors. Oh, ça a l'air fou. Oh, ça a l'air fou, préparez-vous. Mais ça a dû aller... Oh. Oh. Le spectacle que grand-père a tout vu. En v'là un autre. Son rêve enfin réalisé, l'héritage de son grand-père assuré. Notre héros contempla l'océan de désert lumineux, et il pleura de sa bonne fortune. Quand je regardais les braises, enfant, je ne pensais pas à quel pouvait ressembler à ça. Merci, Aloy. Tu as pu trouver ce que tu cherchais? Oui, c'est le cas. Et maintenant, je dois repartir. Oh. Oh. Reviens quand tu veux. J'ai de grands projets pour cet endroit. Je croyais que tu voulais monter des spectacles avec les braises dans la requête. Non, oh, mais non. Le spectacle est ici. Ah, oh, tu imagines un peu. Des gens venus de partout pour admirer les merveilles de ce lieu. Et puis il y aura de quoi manger, un lieu pour dormir. En plus des innombrables divertissements, tous très variés. Et n'oublie pas. Les jeux de hasard, l'opportunité parfaite de se faire des tonnes d'éclats. Un nouveau rêve, alors. J'espère qu'il se réalisera. Au revoir, mes amis. Ce ratissage restera dans les annales. Et c'est grâce à toi. Si Morlund et son équipe restent ici, je pourrais peut-être revenir leur rendre visite un jour ou l'autre. Dans les médias, je dois rapporter Poséidon à Gaïa. Mais je pourrais d'abord chercher cette bricoleuse au céram qui s'est isolée. Et avec mon nouveau masque de plongée, je devrais pouvoir nager en eau profonde. Dès que j'aurai trouvé un endroit qui s'y prête.
Eh ben, c'est incroyable. J'ai envie de dire GG, well play. Ah, on a envie d'aller dans les bâtiments alors qu'ils sont en ruine. Hein. C'est de la projection. Hein. Mais ça donne envie d'aller visiter, c'est incroyable. Eh ben écoutez, ok, bon bah c'est pas ici Las Vegas, comme on dit dans le milieu. On va stepper les amis, on va stepper. Il est temps de faire un petit déplacement rapide et direction... Il y a tellement de choses encore à fouiller ici. On a un avant-poste rebelle avec une quête, un point de signal. Donc une quête, incroyable tout ce qu'on a. Incroyable. On va stepper où? Ici, voyage à la base. Let's go. Bon, bah écoutez, j'espère que vous en avez profité sur une belle télé, un bel écran. Et surtout en 4K60, parce que c'est vrai que c'est waouh. Ça en met littéralement plein la gueule, si je puis me permettre cette expression. Encore une rumeur. Toi, t'as toujours des petites rumeurs à raconter. Alors, on va l'écouter quand même, parce que ça fait toujours plaisir. Tiens, je ramasse juste à mon frérot. Je te vois, allez. Champion. Bah oui, j'étais derrière toi. C'est toi qui as repoussé l'attaque de Regala au bosquet. Et tu t'es opposé à Regala lors de sa trahison à l'ambassade Karja. Les terres des clans ne seront pas accueillantes. Mais tu peux compter sur moi pour te faire part de ce que je vois et de ce que j'entends. L'Ouest est rempli de dangers que même une guerrière comme toi devrait craindre. À ce propos, on dit que les rebelles veulent ta mort, étrangère. Mais je connais quelqu'un qui acceptera peut-être de t'enseigner des techniques de combat. Et ça, il faut vraiment que j'apprenne à le faire. Son nom est l'Iroquet. Il entraîne les soldats de Lance Ardente à l'ouest d'ici. Il aura sûrement envie de voir la championne en pleine action. J'irai peut-être le voir. Ça, je vous le dis, il faudra apprendre. Ok, nouvelle fosse de combat. Lance Ardente. Affichée sur la carte, par exemple, pour voir où c'est. D'accord. Reste vigilant. Très bien, très bon à savoir. Hop, bougez pas, une petite save, déjà rapide pour commencer. Vous me connaissez, je suis un grand friand. Et une save manuelle, vous connaissez, j'assure, le maximum, sait-on jamais. Il est temps d'aller donner Poséidon à Gaïa et peut-être d'en savoir un petit peu plus encore, parce que ça ne s'arrête pas évidemment, sur la suite de nos folles aventures. Hop, raccourci, tu connais. Ici maintenant, je commence à m'y faire. Comme on dit dans le milieu. Allez. Hop, une nouvelle quête intérieure, très bien. On peut aller la prendre. C'est qui va la donner? Très curieux. Pizza? Apparemment, plus c'est long à être livré, moins c'est bon. Ou un truc comme ça. Non, mais ils sont tous sur leur focus, hein. Je crois que c'était juste un... Aloy, ça va? Je voulais juste voir comment tu t'en sors. Tu veux dire, après avoir vu quelqu'un qui te ressemble trait pour trait, mais qui n'est pas toi, là, au sous-sol? J'imagine que c'est encore plus étrange pour toi que ça l'est pour nous, hein? Un petit peu. Varl dit qu'elle pourra peut-être nous aider dans notre mission. Possible. Il y a quelque chose dont je voulais te parler. C'est à propos des dieux de la Terre. Si t'as le temps, bien sûr. Ok. Waouh. Est-ce que Gaïa t'a tout raconté sur les Zéniths? En effet. Mais ça n'a pas été très facile à accepter. Dire qu'il existe des lieux parmi les étoiles où la vie prospère comme dans notre monde, ça remet certaines choses en perspective. Et ça fait mal de se dire que cette vie repose sur la fin de la nôtre. Tu fais quoi? Gaïa m'a généreusement fourni une liste de glyphes qu'utilisaient les anciens. Elle m'a aidé à déchiffrer certaines données que tu as collectées et m'a appris à me servir du focus pour m'assister. C'est pas simple, mais... pour l'instant, ça marche. Ça fait plaisir. Ok. Tu disais vouloir parler des dieux de la Terre? Oui, je pense qu'il existe un moyen de les guérir pour qu'ils puissent à nouveau fournir Mélopée en grain. Gaïa m'a donné des instructions qu'elle appelle... code de redémarrage. Si on les transmet aux dieux de la Terre, leur dysfonctionnement prendra fin. C'est génial. Peut-être. Mais chaque rose a des épines.
Si Héphaïstos ne transmet pas le code, les dieux de la Terre le refuseront. Gaïa m'a parlé d'un autre moyen. Il nous faut des composants appelés noyaux de commande, issus des machines d'Héphaïstos. Des machines semblables aux dieux de la Terre. Les pentacornes, tu veux dire? Comme celui qu'on a affronté dans l'atelier? Oui. Gaïa m'a aidé à en localiser deux à l'ouest. Donc, on tue les machines, on prend les noyaux de commande, et on adapte le code de redémarrage afin que les dieux de la Terre obéissent. Si tout se passe bien. Mais éliminer deux pentacornes ne sera pas facile. Mais on sera toutes les deux. Sois béni, Aloy. Je vais t'envoyer l'emplacement des machines. Ok. Je vais devoir partir. Que le sol fleurisse sous tes pas. Alors, le deuxième Aloy, couplet. On a rassemblé des provisions dans ce coffre. Prends ce qu'il te faut. Fucking... Ça, c'est fucking sympa. Ok, ok. Un atelier, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait que cette pièce a changé. Tu y es pour quelque chose ? Fabriquer dispositif, créer tâche. D'accord, ok, ok. Donc là, je peux pirater ça, mais pas le reste, c'est ça ? C'est ça ? Oui. J'ai modifié le système d'affichage pour suivre les creusets dont tu as extrait les données. On peut améliorer des armes, ça c'est beau. Même si c'est déjà, pour la plupart, amélioré comme je le souhaite. J'avoue, j'aimerais bien une nouvelle tenue très sympa, tu vois. Bon, bah écoutez, il est temps d'aller parler à la sœur, Gaïa évidemment, et de lui donner son intelligence artificielle, mais... On a 28 minutes de vidéo, donc c'est peut-être un petit peu risqué. On va parler un petit peu à tous les autres personnages. Et on se retrouvera pour Erend, finir tout ça lors du prochain épisode. Hein ? Ah ouais, ouais. Pourquoi ça irait pas ? Parce qu'il y a une autre moi maintenant. Parce qu'il y a une autre toi, oui. Au moins, t'as l'air de plutôt bien le vivre. Non, j'irai pas jusque-là non plus. Mais j'essaie. J'imagine que tu sais qui sont nos adversaires. Je vais pas te mentir, mais quand Varl m'a expliqué que ces enfoirés venaient des étoiles, j'ai cru qu'il avait bouffé trop de baies médicinales. Mais bon, je me suis habitué à voir des choses impossibles, grâce à toi. Dommage qu'elles essaient toujours de nous tuer. Ouais, je suis bien d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Attaque, c'est un jeu Ténac. Je suis pas très doué, mais c'est sympa. Tu pourrais m'apprendre ? J'aimerais bien, mais je comprends pas encore tout. Tu ferais mieux d'apprendre avec Salma à Skorok. Elle est plutôt... intense, je dirais. Mais elle joue à Attaque aussi bien qu'à Ténac. J'essaierai de trouver le temps d'aller la voir, si je peux. Il va falloir que j'y aille. Essaie de ne pas causer trop de problèmes. Et on va voir ce que dit le frère au sujet des zéniths, parce que vraiment, les zéniths, hey, ça me captive. Vous allez bien, Erend et toi ? Un peu de repos et ça ira bien. Est-ce que ça va ? L'histoire avec Beta, c'est pas rien. Même pour toi. Disons que j'essaie de m'y faire peu à peu. Je comprends. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. On dirait que je me trompais sur les zéniths. Leur vaisseau n'a pas explosé en allant vers Sirius, comme tout le monde le croyait. On a vu qu'ils avaient menti au sujet d'un avenir meilleur, au site de lancement. Et ils ont dû mentir au sujet de leur vaisseau aussi. Mais c'est fou, une tribu qui s'installe dans les étoiles. Je n'ai même pas pu entailler leur bouclier, Varl. Et j'ai bien failli y passer. Ça ne t'a pas empêché de ressusciter Gaïa. Ça ne nous empêchera pas d'utiliser Héphaïstos contre eux. Espérons que ça suffise. Je vais devoir reprendre la route. Je garde un œil sur Beta. Je veillerai à son confort. Je veux bien. Et on va s'arrêter là. Évidemment, c'est la fin de notre incroyable aventure et de notre épisode. Oh. Gaïa, je croyais que les données d'ici avaient été perdues. J'ai pu modifier l'équipement. Il y a quelqu'un là-dedans en plus. Incroyable. Gaïa veut plus trop parler en ce moment. Eh ben écoutez, on va pouvoir sûrement s'arrêter là. À condition que quelqu'un s'est installé ici. A trouvé la sortie. Je crois que tu as trouvé la salle de Varl et Zou, Aloy. Je crois. Je ne sais plus par où partir.
C'est par ici la sortie. Allez, n'oubliez pas de j'aime et de commentaire. A bientôt la compagnie X. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Bye bye.